Bon, ça y est les amis, deuxième partie de pêche, pêche rapide en après-midi avec mon ami Jérémy à la Haïfoua coriandre fémur grec faite sur la dernière vidéo. Donc on va essayer de faire mieux qu'hier, on sait pas. Je suis venu amorcer ce matin vite fait. On a amorcé hier soir. Ce matin, je suis revenu vite fait amorcer. Balancer 200 grammes de billes concassées un peu sur tout le secteur. Donc là, on va balancer quelques billes concassées sur les cannes. Et 2 ou 3 billes entières, pas plus. Donc c'est parti. On monte le matos.
Bon voilà les amis, les cannes sont tendues, tout pêche. Jérémy de son côté pareil. Bon, on va pas vous refaire voir où on a tendu les cannes, c'est exactement au même endroit qu'hier. Sauf une que j'ai balancée un tout petit peu plus près par là-bas. Moi, que j'ai mis à gauche du buisson, au lieu de droite. Il va pas falloir traîner pour aller ferrer. C'est moi qui ai mis à gauche, au lieu de droite. Ouais, Jérémy, le petit buisson, avant il pêchait à droite, là il l'a mis à gauche. Parce que c'est un petit peu moins encombré. Sur la droite, il doit y avoir une branche dans l'eau. Donc il aura plus de répit si il pêche à gauche. D'ailleurs, il a eu une touche hier à gauche. Hein. Ouais. Ouais. En plus, il a eu une touche hier à gauche. Donc voilà. Donc on va essayer de vous filmer un départ en direct. Essayer d'avoir du poisson à vous faire voir quand même. Toujours en petite rivière. Hein, avec la fameuse bouillette coriandre fémur grec ail foie. Le mélange des quatre trucs avec un mix de base. La petite recette que je vous ai donnée, mais la dernière recette que je vous ai donnée. Comme vous savez, hein, quand je donne des recettes de bouillettes, c'est pas pour les balancer à la poubelle. Hein. Automatiquement, il y a des sessions de pêche avec. Sinon, ça servira à rien quoi, de donner des recettes et puis de pas pêcher avec. Quoi. Voilà, voilà. Donc, je vous dis à tout à l'heure pour peut-être un poisson. Peut-être, parce que hier on a fait du poisson, mais c'est pas pour ça qu'aujourd'hui on va en faire. On est revenu au même endroit, on a ramorcé le coup. On verra bien. Allez, à tout de suite. Thank you.
Bon les amis, premier petit poisson, Jarod, pousse-toi. Tiens, belle coco, t'as mis, ah mais sa nageoire droite dessus. Allez, relève. Ouais. Jarod, pousse-toi. Première touche. Arrête, Jarod. Petite coco. Bouillette coriandre fémur grec. Aïe, foie, toujours. Allez, on va relâcher. Jarod, c'est du tout bon. Bon les amis, si tu veux pas, c'est pas grave, hein. La petite vidéo va se terminer, pas de touche, on n'a pas eu de touche après, on fait un seul départ, une tirée sur les cannes à Jérémy, un ou deux bips sur les miennes, sinon un départ, un poisson. Bon, c'est pas aussi violent qu'hier, hein. J'ai l'impression qu'hier elles étaient complètement folles dingues, donc on a peut-être un peu brassé l'eau et puis... fait peut-être un peu de bruit aussi hein, hier déjà, donc deuxième journée sur le même poste. Donc voilà, on va essayer de revenir demain, peut-être demain matin ou demain après-midi, et commencer à amorcer un autre poste après, pour arrêter de déranger à cet endroit-là, puis aller tester la bille sur un autre endroit. Donc si cette petite vidéo vous a plu, le like. Sinon, je vous dis à demain ou après-demain pour une autre vidéo avec ces bouillettes-là, coriandre fémur grec, aïe foie. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche pour les prochaines vidéos. Portez-vous bien. Allez à la pêche, les amis. Ciao, bye bye. Tell me that you love me.